Alors, du coup, deuxième tentative pour cette méchante bataille. Ah, il a quand même trois trucs de baliste. Je vais pas prendre trois, je vais en prendre deux comme avant. Voilà. Parier. J'ai pas tellement une meilleure position à aller chercher. Le pari s'est bien passé. Cette fois-ci, je vais faire en sorte de mieux choper l'adversaire. Alors. 1 avec lui, 2 avec celui-là, les anti-larges ensemble, que je vais positionner si je peux, voilà. Cela, je vais les positionner cette fois-ci un peu plus derrière, celui-là comme ça, il y a juste une unité anti-large que je veux prendre avec cela pour les protéger dans leur déplacement. Tout cela 7 sauf lui 8 et sauf lui 9. Le bâtier aussi par là. Le lance-feu ici. Et cela l'essentiel juste là. Qui vont servir juste pour ralentir l'adversaire. Ouf, on va voir si cette fois-ci ça va passer. Est-ce que c'était pas passé la dernière? Mais faut dire que je me suis. Ouais, j'ai pas été très bon sur la dernière. Bataille plus difficile qu'il n'y paraît parce que l'adversaire a vraiment énormément d'unités qui sont vraiment puissantes. C'est ce qui fait que justement on a pas mal de difficultés là. Déjà faire paraître une menace souterraine juste ici. Ouais, là, ils sont en train de bien affaiblir cela. Si j'ai de la chance, je peux venir lâcher sous peu. Voilà, je vais lâcher déjà un premier spell sur ces maîtres épéistes. Premier spell lâché sur eux. On espère que ça va leur faire bien mal. Je vais patienter un tout petit peu pour voir comment ils s'organisent. Ces balistes, ils les récupèrent pas. Probablement qu'ils le peuvent pas. On va aller le provoquer encore un petit peu. Je vais lâcher un petit spell comme ça. Et on va aller justement le provoquer avec ses unités par là-haut. Alors. Dès qu'il y a la mêlée qui se forme, je vais lâcher un autre sort de Malfoudre. À tirer avec ça. Bon, après il tire quand même depuis la forêt, ce qui est très inefficace. Voilà, et maintenant on va se retirer quand même. Bien, cette fois-ci que j'ai eu l'autre unité là qui était là pour aider à protéger, donc la vermine avec l'hallebarde,
L'adversaire n'est pas venu nous embêter plus que ça. Ce qui est bien. Là, il a énormément d'archers. C'est là où il faut que je puisse lâcher ce que je veux lâcher. C'est bon, mes troupes peuvent commencer... Enfin, mes catapultes peuvent commencer à lâcher des spells là-dessus. Hop là. J'essaye de placer aussi bien que possible mes sorts de malfoudre pour faire le plus mal possible aux adversaires qui sont par ici. Et pour le ralentir, j'invoque petit à petit des guerriers des clans qui sont là juste pour se sacrifier. Vraiment pas pour autre chose. Donc ceux-là, il faut qu'ils soient prêts à reformer la ligne de front quand ce sera nécessaire. Ouais, ça, il est bien en train de taper dessus les maîtres épéistes. J'ai pas un petit... Voilà, ça. Vite, 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 vite. Hop. Le but, c'est vraiment d'essayer de le gêner dans son avance le plus possible. Parce qu'une fois qu'il sera au corps à corps, ses tirs liés avec, les unités de choc qui vont venir me rentrer dedans, je sais que ça va faire très très mal. Et que ça va devenir tout de suite très chaud pour moi. Voilà, on va lâcher ça au beau milieu de tous ces lions blancs. J'essaye de lâcher, mais tout ce que je peux. Vraiment. On va se taper ça. Premier héros qui arrive. Là, il y a une bien bonne grosse mêlée. On va tirer dans le tas. Juste là. Ok. Maintenant... Les unités qui sont faites pour se battre au corps à corps vont commencer à arriver. Ça, j'aime pas du tout. Je vais préparer le lance-flamme sur le côté. Celui-là, sur quoi il tire? Il a l'air d'avoir déjà bien fait mal. Je vais conserver un petit peu mes vents de magie maintenant pour les lancer sur les unités les ennemis qui sont... Pour lancer les sorts de malfoudre. Par exemple là sur les maîtres épéistes, qui je sais vont être mon principal problème maintenant. Allez, 14 secondes de patience avant de continuer. Et là, on a fait craquer quelques adversaires, c'est bien ça. Déjà, là, les maîtres épéistes sont en train d'en prendre plein la tête. On va se rabattre là-dessus. Oh, je pense que ça sent déjà bien mieux que sur l'autre. Par contre, il va falloir aller chercher les... comment ça s'appelle? Les balistes ennemies, là. Elles sont en train de nous faire mal. Gros spell là-dessus. Ok, il y a en gros plus que les grosses balistes derrière à aller chercher. Je vais juste continuer quand même à tirer avec mes trucs anti-infanterie là-dessus. Là. Ouais, ce serait bien que je puisse d'ici pas trop longtemps récupérer ça. Là, il est en train de me faire mal avec ses balistes. Hein. Bon. On va répliquer directement dessus alors maintenant. Ouais,
Et ça, ce gros spell devrait éliminer la dernière véritable unité à distance violente. Il y a certes encore les balises derrière, mais normalement, mes propres catapultes devraient y faire mal. Enfin, devraient leur faire mal, pardon. Ok, ceux-là, les engins de siège, et ils vont prêter main forte. Est-ce que j'en ai pas, là, qui reste encore un peu? Voilà. Quasiment rien. En somme, il lui reste en gros plus que les héros. Cela, yes, c'est bon. Ouf, bataille bien difficile, hein, je dois dire. Il avait que des unités violentes en même temps, que des unités qui me font vraiment bien bien mal. Là, je vais pas pouvoir faire grand chose de plus. Juste mettre comme ça, voir s'ils arrivent. Oh, pas tellement. Allez, terminer la bataille. Donc une bataille assez chaude. Mais qui s'est bien passé finalement. On perd pas une seule de toutes ces unités, heureusement. Genre en particulier les moines encenseurs de la peste. Ça me fait plaisir qu'il en reste quelques-uns. Regardez-les. Eux, ils ont à peine eu le temps de toucher mes troupes. Et on voit là les dégâts qu'ils ont faits. En somme, ils nous ont fait très mal. Ah non, je pensais que je les gardais. Oh, ça me rend triste. Ah, ça c'est con. Bon, de toute façon, cette armée, il va falloir que je l'amène vers mon centre pour aller reformer avec des troupes violentes. Voilà, là il se retire. Va falloir voir un petit peu comment ça s'améliore cette situation. Parce que c'est vrai que depuis 2-3 tours, la situation c'est un peu compliqué. Et il va falloir que je retourne un petit peu ça là. Ça va pas être facile. Et il m'attaque à Auxil. Le truc que je craignais absolument. Bon, après, il a que ça pour s'attaquer à des murs. Il a quand même les catapultes derrière. Est-ce qu'on arrive à les récupérer? Allez, on va aller là-dessus. Comme ça. La nourriture va bien chuter là dans les 2-3 tours qui viennent. Mais ça tiendra le coup. On voit les unités ultra affaiblies que j'ai. Mais ce serait bien que je puisse me dégager là de cette armée rebelle. Donc on voit, j'avais formé juste une armée d'esclaves, pratiquement. Et on a raté ça, ok. Non, en fait, ces tours sont vraiment quasi exclusivement. Situées au même endroit, donc. On va essayer d'en tirer parti. Ce qui m'inquiète, c'est plus les catapultes que lui a derrière. Je sais qu'on va s'en débarrasser, hein, parce qu'on va. On aura de quoi le faire. Lui, je vais le rapprocher. Je vais le rapprocher du petit angle qui est ici pour qu'il puisse lâcher les sorts de malfoudre en continu. Bataille bien compliquée qui nous attend. Il faut qu'il puisse perdre le plus de temps possible. Ah oui! Les tours ont tendance à vouloir toujours tirer sur les tours ennemies, ce qui ne sert à rien.
Ça ne m'a jamais aidé à détruire une tour ennemie. J'y suis jamais arrivé. Alors je vais pas commencer à m'y attaquer maintenant. Ah, j'ai hâte qu'il commence à être à portée histoire qu'on puisse lâcher tous les spells possibles. Alors est-ce que le calcul est bon? Ouais, presque parfait. Presque. Tiens, on va lui lancer ça dessus. Ouais, il essaie de péter un bout du mur. La réserve des vents, je ne vais l'utiliser que pour le technomage. Ça, c'est clair. Là, normalement, ça devrait aller en plein dedans. Ouais, c'est bon. Ça l'a bien touché. Ici, la mêlée va bientôt commencer. Dans quelques secondes, je peux lancer une nouvelle menace souterraine sur ces catapultes qui sont ici. Et lui, là, il peut tirer, donc juste vérifier qu'il tire pas quand même sur mes propres troupes. Parfois, ça arrive hein, qu'il touche les unités qu'on a là. Ah là, il a l'air de vouloir courir d'un seul coup. Ok, cours. Allez. Ah, il s'est retiré cette fois-ci. Bon, ça, il faut tout envoyer pour renforcer. Je vais avoir la vie dure là. Est-ce que j'ai pas une ou deux petites unités anti-leur? Je n'en ai rien du tout. Quasiment rien du tout en tout cas. Allez, lui aussi. Pour gêner l'adversaire. Ça là-dessus. Le technomage a récupéré. Parfait. J'essaye de faire tout ce que je peux là pour renforcer. Ceux-là, on va en laisser un seul pour qu'il puisse tirer. Les autres, on va les préparer. Pour ce qui va entrer dans pas trop longtemps, mais ce qui va entrer plus tard. Alors lui. Ah mais lui aussi, il va lancer un petit sort de malfoot sur l'ennemi. Histoire qu'on puisse aussi réagir. Tellement en train d'utiliser sa catapulte, je crois. Oui, il y a celui-là qui l'utilise. Et le mur, à combien il est? Ouf, le mur, il va tenir sans problème. Et je vais donc ramener ses renforts par ici. Ouais, normalement, ça devrait tenir. Là, il commence à être assez mal. Il faut juste accompagner les unités ennemies qui sont en train de fuir. Pour être sûr que justement elles fuient. Et qu'elles fassent pas, voilà, comme celle-là. C'est déjà arrivé dans certaines batailles que, genre, des batailles qui sont hyper tendues, hein, que l'ennemi, en fait, fait mine de se tirer, et puis en fait, revient. Et vient gêner ici, ou vient prendre une des portes, et du coup, on est mal. À cause de ça. On va essayer de former un petit front là pour pouvoir jeter un sort de malfoudre dans le tas. Par exemple, là, ça me semble être un bon endroit.
Ah là là, il va commencer à se diriger par ici. Donc on va envoyer une unité par là. Ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir récupérer un certain nombre de troupes pour aller s'occuper des derniers Aogres qui sont en train de me gêner. Je vais d'abord résoudre le problème ici, puis après je renverrai là où j'ai ma base. Qui sont le petit héros là? Il a pas envie de mourir. Nous aussi, vu qu'il essaie de monter là, on va faire ça. Je vais lui envoyer ça dessus. Voilà. Histoire de l'affaiblir. Et là, comment ça se passe? Là, ça se passe plus trop top, hein, vu qu'il a concentré ses troupes. Oh, il faut que je me méfie de la fin, là. On va essayer de jouer un peu plus sur les unités à distance. Ça peut tenir grâce à ça. Ici, ça a l'air d'avoir tenu. On va juste les sortir par ici. Voilà, les Raugres sont en train de se tirer. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. C'est loin d'être terminé, hein. Il a encore des petits bouts d'armée un peu partout. C'est là-dessus qu'il est en train de jouer. Il a encore quelques petits... Ah voilà, c'est bon, ceux-là ils se sont tirés. Et mes guerriers se rassemblent. C'est bon, c'est la victoire. Ouf! C'est pas joué à grand chose, hein. Alors pour le plaisir... Je sais même pas où ils sont en train de fuir, non, pas pour le plaisir. J'en profite pour tuer un maximum les ennemis, mais c'est vrai que... Ouais, là on est dans une situation de... où il faut que je fasse la transition vers des armées de plus grande qualité. Parce que je peux pas continuer avec des armées qui sont à moitié au milieu de partie, à moitié faibles, qui font pas le poids, quoi. Bon, c'est bien, là, ils sont en train d'aller de faire une danse de la mort, en train d'accepter la mort qui arrive. C'est un beau geste. Plus que quelques petits ennemis qui terminent la danse de la mort. Nous pouvons voir ici. Voilà, c'est bon. Ouf! Bon, ça a tenu. Ça a tenu. C'est la fin de la bataille qui m'a fait peur, parce que son héros, il m'a tué quand même 200. Il a fait le tiers des kills, son héros. Je pensais qu'avec 200 autour, ça allait suffire, mais non. Alors, est-ce que j'ai le droit maintenant de jouer? Ok, c'est bon. Rébellion, les capes. Ok, c'est par là. Ah, par contre, celui-là de Thorilassor. Celui-là, il va venir me piquer la citadelle du crépuscule. Et je vais rien pouvoir faire. Il n'y a pas moyen de faire la paix en plus avec lui.
Lui, il a le souffle. Non, mais ça c'est mieux. Réserve de départ augmentée, ça serait plutôt pas mal. Et il lui reste quoi? Il lui reste ça. Est-ce qu'on ose aller le terminer? Non, je vais d'abord me renforcer en fait. Tant pis, ce sera pour le tour suivant. Ouf, là aussi ça va être chaud. À porter le coup de patte final, je sais pas si on y arrive. Ralliement, ouais, ça c'est pas mal. Il a quoi dans l'île de la Grande Tortue et surtout dans quel état? C'est ça la question. Il a pas l'air d'avoir grand monde. Voilà, là ça doit être faisable ça. Allez, avec trois petites menaces souterraines. On a des lambeaux d'armée, mais un truc de fou. Bon, lui, il fait le malin là juste à côté. Il a quand même 4 balistes. D'où l'importance justement des menaces souterraines. Ouais, situation un petit peu plus délicate. Surtout qu'il n'y a qu'une seule porte, ça c'est toujours les sièges les moins amusants à faire. Enfin, les moins simples, on va dire. Non, ceux-là en numéro 4, numéro 1, numéro 2. Tous ceux qui sont à moitié morts, je vais. Pas ceux-là, parce que ceux-là je m'en fiche totalement. Même cela, je vais les mettre derrière. Comme ça, je sais qu'ils seront plus ou moins protégés. Je vais les mettre dans les arbres, ici. Donc ça veut dire qu'on va jouer sur les autres petites unités qui sont en gros celles-ci. Donc on va jouer sur les catapultes principalement et sur les deux héros qui sont ici. Mais bon, là on est dans une situation délicate, mais c'est temporaire. Alors, qu'est-ce qui gêne? Ça fait mal, c'est parfait. Lui, il lâche son petit sort de Malfoudre juste là. Ouais, il a ses balistes qui sont quasiment laissées toutes seules. C'est bien. C'est une bonne chose pour nous. J'ai pas grand chose, mais lui non plus, donc ça doit être faisable comme bataille. Une fois que ça sera fait, je veux dire, ça va vraiment nous libérer un peu la situation sur le front ouest. Ce qui m'inquiète le plus, c'est le fait qu'il y ait une grosse armée de Thelassor qui arrive sur le sud-est. Pour la défaire, celle-là, ça va être compliqué. Hein. Parfait, il a déjà une de ses balistes qui est en train de se tirer. Faut que l'autre fasse de même. Maintenant, on va commencer à monter sur le mur. J'ai pas grand chose à faire monter sur le mur, mais ça devrait suffire pour faire mal à ces héros qui sont ici.
Ah, il y a les sœurs d'Avelorn là. Celles-là, elles sont puissantes parce qu'elles ont des dégâts magiques, enfin des munitions magiques. Et du coup, elles font des gros bobos. Ah bah tiens, ça tombe bien ça. Du coup, on va les faire passer directement. Oh, il y en a qui ont sauté. Ah, j'ai pas besoin de le sortir tout de suite. Je vais attendre qu'on soit vraiment, vraiment corps à corps avec ces héros et les miens. Pour me mettre à sortir les troupes qu'il faut. Bon, là, il lui reste quasiment plus rien. Hein. Franchement, ça devrait jouer. J'ai fait rentrer même les catapultes. Et ceux-là, ils font quoi? Je les avais prévus normalement pour s'occuper d'eux. Bon. Non, ça sert à rien ce spell. Par contre, un petit sort de peste ici. Et puis surtout, faire venir des moines de la peste pour filer un petit coup de main. Ça va m'être utile. Moines de la peste sont une unité anti-infanterie, donc ils auront un bonus là déjà contre ces héros qui sont juste là. On va aussi baisser l'armure de zone ici, donc ça baisse de 30, c'est pas exceptionnel mais c'est déjà ça de prix. Je ramène aussi les autres. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de fuir. Bon, on va poursuivre celui-là. Ah, il n'y aura plus rien derrière. Et je vais accélérer d'ailleurs un tout petit peu, vu que maintenant c'est assez évident. Tout ce qu'il a, c'est le phénix qui est là. C'est tout. Voilà, là on a détruit un héros. L'autre héros, visiblement, on l'a coincé contre le mur et on l'a tué. Donc maintenant... Ce petit héros, il faut juste pas le laisser s'enfuir. Voilà, c'est bon. C'est bien. C'est bien parce que on s'en sort avec une armée qui est très très largement affaiblie. Oui, ça c'était le truc que j'avais invoqué, on s'en fiche. Bon, maintenant... Préparation donc du reste des troupes. Oh là, je peux même mettre comme ça pour qu'ils puissent lâcher le reste de leurs munitions assez facilement. Non, même juste ça, hein, ça a l'air de faire bien mal.
Bah c'est bon en fait. C'est bien. Alors. Prochaine étape pour cette armée, bon, il y aura peut-être encore une ou deux petites batailles, et surtout la rapatrier vers mon centre pour la reconstituer, mais mettre des unités vraiment du bien plus puissantes, quoi, du coup. 24 000! Oh, c'est bon ça! 24 000 pièces d'or! Ah, bien! Ah ouais! Ah ouais, là, du coup, ça fait du bien ça. Non, on va le laisser au niveau 1 du coup. Ah, niveau sous, ça fait du bien. On va lui améliorer son armure. Des sous là on est déjà bien plus tranquille d'un seul coup. Corruption, hop. Et vu qu'on est bien mieux au niveau des sous, est-ce que j'arrive à me permettre de mettre de vraies puissantes troupes ici, par exemple? Moins 1600, ah, ça va, je peux me permettre maintenant d'avoir 4 armées. Vermine de choc, hallebarde, vermine de choc, épée et bouclier. Ah mince, je peux pas en global. Est-ce que là j'aurais pas intérêt? Non, ça coûte trop cher. Bon. Et ça, on va en profiter pour l'améliorer au cinquième tiers. Ce qui nous permettra, dans pas trop longtemps, je l'espère, faire une transition. Ah, ils sont de la même valeur. Bon, vu les troupes qu'il a, à mon avis, on les bat. Il est considéré comme étant mieux, mais son héros va périr en un ou deux petits coups. Donc, normalement, ça devrait passer. Parier. En plus, on a un technomage. À mon avis, la bataille va être assez simple. Alors, cela par là, cela par ici, le technomage là, et le centre qui va encaisser les dégâts ici. Surtout qu'on a quelques petites menaces souterraines normalement. Oh, on en a carrément 6. Merci la corruption, Skaven. Bon, et il est où l'ennemi? Ah, le voilà. Allez, la bataille commence. On va voir comment ça va se passer. Non, je suis con! J'ai fait une petite erreur, mais c'est pas grave, on va aller chercher le héros depuis ici. Avec cela. Son héros n'est pas encore mort. Voilà, c'est bon, son héros est mort. Son armée va vite plier bagage du coup. Tuer le héros ennemi, il faut pas oublier que ça enlève quand même 10 de commandement à l'ennemi, hein, à toutes les troupes ennemies. D'où une bien grande utilité. Quand un ennemi fuit, si on a assez de troupes, c'est toujours bien de le poursuivre avec même juste une toute petite unité. Parce que ça lui empêche de récupérer son commandement.
Voilà, on voit, hein, eux, ils récupèrent pas le commandement. Pourquoi? Parce qu'on les poursuit. C'est bon là, non? Ah non, il y a encore ça qui est en train de tenir le coup. Voilà, ça c'est bon. On va leur laisser l'occasion de faire bien mal à l'adversaire. Bon, bah j'ai bien fait justement de lancer cette bataille avec la garnison pour justement me débarrasser de ces quelques petits rebelles. Ah, ça indiquait quand même que j'étais censé perdre la bataille, mais je sais pas pourquoi lui il était extrêmement affaibli. Quelques petits sous-sous. On a une économie négative, mais grâce au pillage, on se fait beaucoup de sous. Voilà, ça va être remplacé par un autre après. Ce qui m'inquiète le plus, c'est ici, c'est ça. Parce que ça va venir dès le tour suivant m'attaquer dans le dos. Et eux, ils sont pas suffisants normalement pour faire face à ça. La citadelle ne va jamais tenir face à ça. Face à ce qu'il a là. Alors, il a probablement des unités qui sont pas terribles, terribles, mais vu qu'il en a 20, il va venir nous attaquer dans le dos ici. Maintenant, ceux qui sont là. Ils peuvent pas recruter. Ceux qui sont là viennent de prendre une ville qui m'a rapporté 24 000 pièces d'or. Et ceux qui sont là, est-ce qu'ils peuvent jouer? Oui. Est-ce qu'avec 17, j'ose m'attaquer? Ouais, c'est fortifié comme ça va pas être une bataille facile. Et lui, là, il est en train de vite récupérer des troupes. Ouais, je vais quand même y aller. Je vais quand même y aller pour finir un peu les rois des tombes. Niveau diplomatie, peut-être qu'il y a une ou deux petites nouveautés. Ça me ferait du bien. Non. Non plus. Du coup, il n'y a aucune nouveauté. Peut-être Thor et la sort. On arrive à les convaincre. On n'arrive pas. L'attaque au sud, à la pointe sud-est là de Thor et la Sor me fait assez peur. Faudrait justement voir ce qui va se passer, quoi. Ah, il m'attaque. Ouf. Ouf. Il a combien? Il a 3, 5, 7 unités d'archers, 8 unités d'archers. Il a très largement l'avantage. X3. Il s'est vite dépêché de sortir une armée de n'importe où là. Nom d'une pipe, ça sent le roussi. Bon, les 4 unités, les 3 unités de Chaptis, en fait les 4 unités montées, je sais qu'on va pouvoir s'en débarrasser avec les unités larges. Tout ça, le seul moyen de se les faire, c'est avec la réserve des vents. C'est tout ce que je peux espérer. Ça va être dur, hein. Vraiment, ça va être très 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 chaud. Alors, on peut toujours rêver à une position exceptionnelle. Waouh! Là, il va y avoir du challenge. Je sais pas d'où il sort cette armée entière. Mais en tout cas, ça fait mal. Bon, allez, Paris, please, que ça fonctionne. Yes, allez. Ça va, ça. Ça aurait pu être mieux, ça va. Du coup,
ça en 3, tout ça en 2, non, ça en 4, ça en 1, en 2. Alors, mes unités qui doivent faire la ligne de front sont là. Ceux-là, ce sont les anti-larges. Et ceux-là, c'est la chair à canon. J'ai bien peu d'unités à lui opposer. Est-ce que j'ose faire une ligne de front comme ça là? Ouais, je vais la tenter. Comme ça ici, je peux positionner ça là. Et ça, je vais les distribuer un peu comme ça. Celui-là, il faut que je le mette le plus en avant possible. Bon, et puis là, ça va être une grosse bataille.